Annoncé comme le Messi défensif, le jeune niçois Olivier Boscagli, 19 ans, a enfin signé au Nîmes Olympique. Il a donc été présenté à la presse ce jeudi après-midi. Je veux apporter une solidité défensive avec le reste de la défense, prendre le moins de buts possible. Et après, si je peux apporter un plus offensivement, parce que pour gagner un match, il faut marquer des buts. Il ne faut pas en prendre, donc il faut être costaud défensivement. Alors que les dirigeants avaient annoncé son arrivée pour la veille, Olivier Boscagli était aux abonnés absents dans les ateliers qu'avait mis en place le staff nîmois lors de l'entraînement hier. Il y a eu cafouillage au moment de la signature. Il est désormais prêté par l'OGC Nice sans option d'achat. C'était dans les joueurs que l'on voulait recruter. On avait dit recruter 5 joueurs. On est pile poil dedans. Voilà. Donc c'était le cinquième, en attendant peut-être un joker après. Autre recrue, Yacine Kadamuro. Lui aussi vient d'arriver, il joue défenseur. Il vient du Servette de Genève où il a disputé l'an dernier 30 rencontres en Ligue de Suisse. J'aime bien relancer propre et voilà, créer du jeu et repartir proprement depuis derrière. Ouais. Le recrutement est focalisé en défense, mais c'est en attaque que le bât blesse. Après 4 matchs disputés, les Nîmois n'ont marqué qu'à 2 reprises seulement. Et lundi dernier contre Châteauroux, ils n'ont cadré qu'un tir sur 17 frappes au but. Ils sont assez grands pour se remettre en place eux-mêmes aussi. Après, nous, on dit ce qui va pas. Et voilà, le coach, il appuie sur certains détails qu'il pense voilà, juste. Et après, les joueurs, c'est quand même des hommes. Ils sont face à la responsabilité. Et ce week-end, ils le sauront. Et on verra si, à un moment donné, ce qu'ils disent, ils le mettent en application. Vendredi, il va falloir mettre les occasions au fond, car en face, c'est le leader Le Havre qui arrive aux Costières. Et là, plus question de chercher. Il faudra impérativement trouver l'efficacité.